ça de haut. Mmh. Je tape les vitamines ici. Celle-là qu'elle est ouverte. Les vitamines, je les mets dedans. Et sur le grain directement. Je secoue. Je mets sur les graines. Je mélange. Je peux t'en préparer si tu veux. Non. Je mélange. Et après, je sèche avec ça. Ah ouais. Tu vois, je sèche avec ça et les graines, elles sont enrobées. Ah ouais. Et au début de semaine, je mets aussi, donc par exemple, ils reviennent le samedi. Déjà le samedi soir, déjà, ils ont déjà donc du dépuratif, du Sport Light, mm-hmm, de Shatterdings, mm-hmm, que je mets. Je mets les vitamines dessus, mais alors je sèche avec la levure de bière qui est ici. Mm-hmm, mm-hmm. Je sèche avec ça. Et ça, pour semaine. Toi, ça a une importance dans tes succès, selon toi? Je pense, moi, oui, je suis presque certain. Et alors, c'est avec ça que tu gonfles, tu regonfles avec tes pigeons. Avec ça, je gonfle, ouais, avec le vite. Non, avec la levure de bière ou le cédocol, là, je les épure. Au début de semaine, je les épure. Donc, je ne cherche pas à les gonfler tout de suite. Hein. À partir du mercredi ou du mardi soir ou mercredi, ça dépend un petit peu le concours que je vais jouer. Là, je recherche avec, donc bien sûr, les vitamines. Et alors, je sèche plutôt alors avec des minéraux. Mm-hmm. Je recherche en minéraux. Et les 3-4 derniers repas avec des graisses. Mmh. Avant de partir. Donc même système pour les graisses que pour les vitamines, ça passe dans l'eau? Ouais, tout le temps, je mélange toujours dans mon pot. Dans la peau de miel, ça va bien parce que c'est étanche. C'est le fameux pot belge, ça. C'est mon pot belge. C'est mon pot de miel belge. Et je mélange bien ça et voilà. On épanche quelquefois un petit peu. Ok. Voilà la technique.